des mannequins qui touchent, genre comme dans des... Genre... Patientez un peu ici. Salut à toutes et à tous, il est 19h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude. Toute dernière vidéo de la semaine spéciale Halloween. Si j'ai bien calculé mon coup, cette vidéo sortira dimanche à 19h. Il y aura donc probablement un faux raccord. Regardez mes cheveux. Hier, normalement, dans la vidéo d'hier, par exemple, j'avais plus de cheveux. Enfin, en tout cas pas autant. Bref, c'est le faux raccord, ça fait plaisir. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, les amis, Halloween est passé. Voilà, aujourd'hui, c'est donc le dimanche 1er novembre, si c'est bien calculé. Donc aujourd'hui, on va chiller tranquillement sur deux serveurs Minecraft. Je vous le dis à l'avance, il va s'agir d'Elementary Land et du parc d'attractions Astérix. Puisqu'il y a eu des décorations d'Halloween, il y a eu des quartiers qui ont été faits pour l'occasion, des décorations et des attractions. Et donc j'ai envie de les regarder. Au moment où je fais cette vidéo, on est le 22 octobre. Donc rien à voir avec dimanche. Donc sachez juste qu'au moment où cette vidéo sortira, normalement il n'y aura plus rien sur ces serveurs. Voilà, comme ça, il n'y a pas de surprise ou quoi. Donc, on est parti, les amis. Regardez, donc là, on est sur Elementary Land, bien sûr. Vous pouvez constater, déjà, que c'est plutôt bien sympathique, étant donné qu'on voit cette petite citrouille. Donc là, il y a un panneau qui a été ajouté juste ici. Donc, je peux faire slash event pour accéder, tout simplement, au quartier qui a été fait pour l'occasion. Je ne vais pas spoil, en tout cas. Mais nous, on va y aller comme ça, juste pour vous rappeler, pour se rappeler un petit peu eh bien, de la beauté de ce parc d'attraction, tout simplement. Donc, l'entrée juste ici, les guichets, badabim. Et en fait, quand on va continuer là-bas plus loin, au niveau de tous les quartiers, ça va se passer au milieu, tout simplement. Donc on va y aller et on va se téléporter, vous allez voir. On va découvrir ça ensemble, en tout cas moi je ne connais pas, je sais ce qui m'attend, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne vous spoil pas, alors où est le truc? Où est le truc? Il est là. Il est totalement là, regardez, c'est incroyable. Nous y sommes, on va y aller. Non, ah si c'est ouvert par là, pardon, my bad. C'est parti. C'est parti, on saute dans le trou. Et on y est. Oh. Nous y sommes. On va suivre ce chemin. J'avoue, je m'attendais pas à ça comme ça. Nous y allons. Avec bien sûr, vous entendez en arrière-fond, hein, le sound, les sounds customisés du serveur. Hein. C'est pas moi qui rajoute au montage. Ok, regardez, il y a des petits mannequins là qui font un petit peu peur, genre. Ça fait pas peur, hein. Oh, nous voyons un manoir hanté. Oh, la musique qui s'arrête pile au même moment, c'est incroyable. Bienvenue dans le quartier hanté. Alors attendez, voyons voir par là-bas. Attendez, on va se permettre un petit... Ah, je ne peux pas fly dans ce quartier, c'est un truc de malade. Ah, ils veulent vraiment m'angoisser de ouf en fait. À tout moment, on peut se faire attaquer quoi. Alors, The Hanging Tree. Donc l'arbre... L'arbre, ça me fait peur. copyright musique. Oh non, il faut rentrer par où? Ça doit être par là. Allez, on y va. On y va. Ah bah voilà. Ah mais attendez, ça sert à rien. On va pas le faire. On va pas le faire. Ça doit être stylé de ouf. Hein. Mais c'est juste un truc qui tourne sur lui-même. Ah si, vas-y, on va le faire. On va le faire pour dire qu'on le fait quand même. Il faut le faire, les amis. Il faut le faire. On va peut-être pas être déçus. Oh, c'est beau. Ça fait peur. C'est mignon. Beau. Allez, on y va, les amis. On y va, les amis. Donc oui, pour vous expliquer par rapport au faux raccord, par rapport à toute la semaine et aujourd'hui... Train spawn, click here. Je suis complètement con, train a déjà spawn, c'est bon. Et là, je vais... Ah, c'est stylé. Parce qu'en fait, du coup, je n'ai pas encore... Toutes les vidéos que vous avez vues toute la semaine, donc à savoir Outlast, Hello Neighbor, tous les trucs là, je ne les ai pas encore tournées. À part la première vidéo avec BXNO sur les compilations de jeux d'horreur, d'accord? Les autres, je ne les ai pas tournées. Et je dois vous dire que je me chie dessus à l'idée de le faire. Donc voilà, cette vidéo, qui est la dernière vidéo en mode horreur, et ben en fait, c'est une des premières vidéos que je tourne. Voilà, donc d'où le faux raccord, j'imagine, puisque je vais aller chez le coiffeur. Bref. Wouh. Oh, et puis ça tourne sur lui-même. Ah, c'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Alors, vous allez vous rendre compte de l'univers aussi de ce quartier. Vous allez très vite comprendre, on va en parler. Là, on fait juste ce manège d'abord. Wouh. Eh, ça va vite. En réalité, ça va vite quand même. C'est dommage qu'on tourne pas avec le truc, mais... Ah, c'est marrant. Putain, ça me fait drop les FPS, les frérots, donc c'est normal, hein, si jamais... Ah, c'est marrant. Avec les pendus qui sont en haut de l'arbre. Bah ils bougent. Les pendus ils bougent. Eh bah alors tout va bien les frérots. Ils nous font des petits dabs en plus. Ah c'est sympa, ça c'est bien pour avoir la gerbe aussi. Super.
Là-bas, il y a une grande roue, je suis en train de voir. Donc, d'où l'univers du quartier, vous allez très vite comprendre. Super. Eh ben, c'est trop l'enjaillement. C'est trop, j'adore. Mais c'est bien fait, hein. Ah oui, mais c'est vrai. J'avais oublié, c'est fait. Vous me l'aviez expliqué, c'est fait sur un logiciel de simulation, du coup. Donc, ça se voit, quoi. C'est trop bien fait. Ça se voit de la façon que ça tourne, les machins. En plus, il y en a un qui tourne, pas l'autre. Comme en vrai, en fait. Ça y est, c'est la fin. C'est trop bien fait. C'est vrai, des fois, il y en a qui tournent plus que d'autres, et puis après, c'est l'inverse. C'est trop bien fait. Oh là là, c'est vrai, c'est kiffant. Ok. Oui. Eh bah, c'est fini, les frérots. Super. Bravo, vous êtes maintenant à un tour. Oui, bah, je vais pas en faire deux quand même. Hein. Ok. La sortie, elle est je sais pas où. Ah, c'est vraiment bien fait. XZ. C'est par là. C'est parti, mon kiki. Donc là, vous voyez la grande roue, et en fait, si j'ai bien compris, Ghost. C'est une attraction. Hey, ça va frérot? T'as des petits problèmes? Ouais, j'imagine qu'on peut aller là-bas? Non, j'ai pas compris en fait. Ah, non, attendez, je viens de comprendre. C'est une animation. Non, c'est une animation en vrai. Règle du jeu. Tuer le fantôme. Un fantôme rôde dans la zone. Les 13 des plus grands chasseurs de fantômes recevront à la fin de l'event un costume de fantôme exclusif. Ah je pourrais y arriver là, tu vois, parce qu'il y en a, ils ont fait que un. Donc il faut chasser les fantômes. Donc il doit y avoir des fantômes. Il doit y avoir des fantômes, tout simplement, voilà. N'importe où dans la zone. Oui, donc cette zone, qu'est-ce qu'elle représente? Eh bien, vous allez très vite comprendre. Elle représente du coup un parc d'attractions directement. Un parc d'attractions abandonné. Et vous allez très vite le comprendre avec cette grande roue juste ici. Alors je peux pas zoomer, j'ai pas Optifine. Mais ici, vous voyez, par exemple là, c'est complètement un circuit d'attractions, ça. Qu'on soit bien d'accord, c'est complètement un circuit d'attractions. Qui est complètement cassé, hein. Enfin, en tout cas, qui ne fonctionne pas. Vous l'aurez remarqué. Avec des lianes et tout, donc en effet, c'est vieux. Et abandonné, hein, vous l'aurez compris. Pareil là, il y a une attraction là. Alors je sais pas si elle est faisable ou pas. Peut-être que oui. En tout cas, c'est abandonné. Pareil, la grande roue, il y a des feuilles. Voilà, la nature a repris ses droits. On se dirait presque à Tchernobyl, j'ai envie de vous dire. Ah ouais, avec les petites citrouilles qui sont déjà dessus. Enfin voilà, c'est bien sympa. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, hein, je viens de trouver un easter egg, mon pote. Achievement, Big Whale, Big Murder. Que cache ce trou béant? Et bah voilà, j'ai trouvé un easter egg. Elementary Land Murder. Mais oui! Mais oui! Il va y avoir. Les gars, il va y avoir. Alors attends, je comprends pas. 21 octobre, je tourne, on est le 22 octobre. Alors je sais pas s'il y a une couille dans la patouille. Ou peut-être ça a déjà été fait, je sais pas. Mais il m'avait parlé. Il m'avait parlé qu'il y aurait l'événement, qu'il y aurait un murder. Mais moi je veux faire avec vous, les gars. C'est trop stylé. Un parc d'attractions sur Minecraft qui en plus fait des events. C'est quand même fou, quoi. Bon, on va voir. Alors, est-ce qu'on a d'autres attractions et tout? Je crois qu'il y en a que deux, en vrai, si je dis pas de bêtises. Hein. Mais voyez, ouais, des événements. Là, on peut acheter des pumpkin skins. Des citrouilles partout. 31 citrouilles se sont cachées dans toute la zone. Trouvez-les et recevez une récompense exceptionnelle. Mais attention à vous, elles ne sont pas pacifiques. Ah, ok. À tout moment, les citrouilles, elles t'attaquent, quoi. Genre, si tu tombes sur une méchante et tout. Eh ben, big up, mon pote. Allez, c'est parti. On va continuer. Par là, juste ici. Petit arbre plutôt sympa. Les zones sombres comme ça, ça me fait un peu peur. Hein. Là, on a un petit restaurant, j'imagine. Et franchement, est-ce que ça donne envie de manger ou boire un coup ici? Pas du tout. Pas du tout. Je reste pas plus longtemps ici. Alors, j'aimerais rentrer dans ce manoir hanté. Hein. J'aimerais rentrer dans ce manoir hanté. Attendez, là, il y a un chemin, mon pote. Alors, quand je vois des chemins comme ça, vous savez que ça m'excite. Voilà. C'est trop bien fait. Les effets dans les sons et tout, c'est trop bien fait. Bonsoir. Non mais ça me fait peur un peu là. Ouais, j'avais pas prévu de me chier dessus aujourd'hui. Hein. D'accord. Bonsoir. Je crois que ça... Ouais. Un labyrinthe. Allez, toujours prendre les chemins à gauche. Hop, c'est parti pour un labyrinthe, les frérots. Ça ne faisait absolument pas partie du programme. Mais on le fait et on suit toujours les chemins qui vont à gauche. Et vous allez très vite comprendre que c'est vraiment la solution. Bon bah si vous voyez pas grand chose, les amis, je m'en excuse. C'est tout à fait normal. Hein. C'est tout à fait normal. Je vois tout autant que vous. Hein. Par contre, ah bah voilà. Ça se fait pas en fait. Des cul-de-sac.
Mais genre t'as fait un chemin tellement long pour rien. Ça, ça se fait pas les gars, c'est pas comme ça qu'on fait des labyrinthes. Moi je vais vous apprendre à faire des labyrinthes. Tu sais le mec, il a toujours besoin de... Ah non parce que c'est méga long, alors attends là c'est non. Ok. Faut faire gaffe, à mon avis on va quand même passer à côté de quelques chemins et tout. Ok. Oh là là, voilà, ça va être nope, c'était sûr. Ici ça va être un cul-de-sac. Très bien. Ici. C'était sûr. D'accord. Continuons par là. Ah 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 ah. Nope, nope. Ah là là. C'est chaud de night. Vas-y, par là. J'y crois. Ça, ça faisait longtemps que j'ai pas fait. Eh, vous êtes content en vrai? C'était pas prévu dans cette vidéo, mais ça me rappelle les maps Minecraft que je découvrais à l'époque. Je dis à l'époque parce que vous m'envoyez plus de maps, donc voilà. Mais genre, il y avait des labyrinthes et tout, c'était stylé. Oh! Il y a que dalle, gros. Je sais pas si c'était réel. Moi, j'ai entendu des bruits de pas. Je me casse. Les gars, j'ai entendu des bruits de pas. Alors j'imagine il y a personne qui me poursuit, mais je sais pas, là j'ai pas aimé le mood en fait là. Là j'ai pas aimé le mood hein. Donc je me casse. Je me casse et moi je veux faire le manoir hanté. C'est pas grave pour le labyrinthe. S'il y en a qui ont réussi à le faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas à l'époque quand vous pouviez encore le faire. Parce que du coup normalement, comme dit, au moment où cette vidéo sortira, il y aura plus cet event. Il y aura plus cette zone. Ok. Ouais attends, mais ça fait quand même un peu peur hein. Mine de rien. Alors si j'ai déjà peur sur Minecraft, qu'est-ce que ça va être sur les autres jeux que vous avez donc déjà vu normalement sur YouTube, mais voilà. Bonsoir, un petit shop et tout, on s'en fout. Ici, une petite bibliothèque. Oh, un parcours, attendez les gars. Allez, c'est parti. T'as, mais hey, c'est vraiment les gars, labyrinthe, parcours, parc d'attractions. Allez, c'est bon, ça me casse les couilles, ciao. Alors, le manoir, l'entrée, elle est par là. On va se la faire. Ça va être dingue, ça va être complètement dingo. J'ai peur. Ça va être trop bien, je sais pas du tout ce qui nous attend. En tout cas on y va et... Par contre c'est très dangereux si je puis me permettre hein. À tout moment tu tombes hein. Escaped. Ce qui veut dire échapper. Déconseillé aux cardiaques et aux épileptiques. Alors attendez, petite parenthèse. Si ça a été précisé comme ça, genre tu sais c'est pas en mode réaliste pour faire genre, ça veut dire que c'est réel. Bah les frérots, si jamais faites attention. Voilà. Cette expédition pourrait heurter les plus sensibles. Assurez-vous d'avoir votre audio et votre ressource pack. Environ 10 chunks vous seront nécessaires. Comptez. Qu'est-ce que c'est? Oh, il y a des mannequins qui vont nous poursuivre. Comptez sur votre chance pour vous en sortir. Alors attends, les chunks, moi je suis ok. Le ressource pack, je suis ok. Le audio, je suis ok. Mais alors pour le reste, je suis pas ok. Allez, c'est parti. J'ai putain de peur. Andrew Office. L'employé du mois. Bah, félicitations. Ok, c'est un truc qui se fait à pied. Faudra s'y échapper du coup. Bonjour. Ça me fait peur. Ça me rappelle un truc en Allemagne là, une maison d'horreur. Oh là ! Don't look behind you. Ne regarde pas derrière toi. Bah tu doutes bien que je vais quand même regarder derrière. Lui va se lever d'un coup, mon pote. Eh frérot, il y a des mannequins, ils vont se lever d'un coup, hein. Try to be alive. Essaye de rester en vie. Oh putain. Fuis ou meurs. Oh putain, maintenant c'est écrit en français, mon pote. Bah écoute, moi je propose de fuir. Putain, mais faites pas ces bruits là. Ça me fait pas peur hein, de toute façon. Je suis bloqué. Ah non, attends. Train spawn. Ah, c'était juste une file d'attente. Ah. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que ce serait tout le long comme ça et j'étais pas bien. Ok, c'est parti. Ah les gars, j'ai eu peur. Oh putain, d'accord, vas-y, on va se mettre tout devant. Ils vont nous chatouiller les yep.
On va se faire chatouiller les pieds. Sympa la musique en tout cas, hein, chez vous. Pourquoi il s'arrête le train? T'as pas besoin de t'arrêter, hein. Non, il va se faire attaquer, le policier. Non, sa lumière s'est éteinte. Eh ben voilà, il est mort. Oh, on va assister à des scènes d'horreur, les gars. Voilà. Ah oui, c'est vrai, on est accroché en hauteur, j'avais oublié. Ah oui, c'est assez angoissant quand même, mais là, on va descendre et tout. Et c'est trop bien fait, hein. Là, ça va descendre. On est bloqué. Allez, bâtard. Trop bien. Ah ouais, d'accord. Ah là là, c'est trop bien, ok. Vas-y, un peu d'adrénaline là pour nous. Oh, par contre, je m'attendais vraiment à tout sauf à ça en vrai. Et pourtant, c'est les classiques, hein, les screamers. Hein. Oh là là. Ça va super vite par contre, hein. Je reste persuadé du fait que dans la vraie vie, si tu vas aussi vite, aussi longtemps, t'es quand même dans le mal. Hein. Mais waouh, putain, ça m'a fait peur. Waouh, le chapiteau de cirque. On passe à l'intérieur en plus. Oh putain, je me suis chié dessus. Waouh. Et c'est bon, de nouveau tranquillement. On reprend nos esprits. Ah, c'est bien sympa. Bon, en vrai, c'est dommage dans le sens que, ben... Bon, au moins ça marche, c'est efficace. Là par contre, c'est efficace. Parce que je me suis chié dessus, c'est pas fini. Si si, c'est la fin, c'est bon. Ça va remonter et puis voilà quoi. Mais Wouhou. C'est pas fini. Arrête. Puis c'est fini. C'est la fin là, c'est la fin. Ah. Attends, parce que c'est pas fini. Faut encore sortir maintenant. Oh, j'adore cette musique. Je me casse aussi vite que je suis arrivé. Très bien. Shop, exit. On est où là? Ah oui, d'accord, on venait de là et tout. D'accord, ok, très bien. Eh ben franchement trop stylé. Oh, fantôme! Oui, je te veux. Je l'ai eu ou pas? Ah! Mais comment je fais? Ah, il faut le taper vraiment. Ah putain, mais moi je le veux parce que ça me rapporte des points et après j'ai une tenue de je sais plus quoi. On l'aura fait, le manoir hanté. Voilà, c'est tout pour Elementary Land. J'ai peut-être raté des trucs en tout cas. Maintenant on va pouvoir passer au parc d'attraction suivant du coup. Le parc Astérix. En tout cas, beaucoup trop stylé pour le coup. Je vais pas vous mentir, j'ai kiffé Elementary. À jamais dans nos cœurs. Big up. Et voilà, bienvenue sur le parc du coup Astérix. C'est vraiment la première fois que j'y vais. Du coup, c'est une totale découverte. Alors, à savoir, tu vois, c'est comme quand vous me demandez d'aller par exemple sur des serveurs Disneyland Paris, les trucs comme ça. Moi, c'est des trucs que je n'ai jamais encore fait dans la vraie vie. Donc par exemple Europa Park, ça me dérange pas parce que je connais déjà et ça me fascine de voir comment c'est représenté. Mais alors Disneyland, Astérix, les trucs comme ça que j'ai jamais fait, je suis pas spécialement fan dans le sens que je peux pas dire si c'est représentatif de la réalité ou pas. Donc aujourd'hui je suis sur Astérix, évidemment c'est pas pour découvrir le parc en lui-même, mais pour découvrir du coup la peur sur le parc du 3 octobre au 1er novembre. Donc voilà, au moment où la vidéo sort, on sera le 1er novembre. Donc il n'y aura évidemment plus rien du tout. Voilà, accès au parc. Est-ce qu'il y a peut-être un petit event? Enfin, est-ce qu'il y a une commande à faire peut-être pour y arriver plus simple? Je ne sais pas. Attendez, si je fais slash event.
Et ben voilà. Et ben c'est carré. Bienvenue. Il y a plusieurs maisons hantées, d'accord. Et ben on va commencer par la maison de la peur. Bah let's go. Let's go mon pote. Maison de la peur. Métamorphosis. Ok, let's go. Intensité de peur 4 sur 5. D'accord. En fait, c'est l'intensité de... Allez, maison de la peur, c'est parti. Ah oui, en fait, il y a plusieurs. En fait, il y a le métamorphosis là-bas. Et là, c'est maison de la peur, si j'ai bien compris. Ok, ok, c'est bon, j'ai enfin compris. Donc, il y aura 4 attractions, si j'ai bien compris. Le mec, je suis pas convaincu de ce que je viens de dire, mais... Mais vas-y, la classe. Ah, c'est trop bien, à l'ancienne, les... Ça, ça me fait penser à Tiki Land, du coup, là, les... La file d'attente. Sauf que nous, sur Tiki Land, on met quand même des portions pour qu'on puisse quand même aller plus vite si jamais on a la flemme. Parce que... Bonsoir. Bonsoir. Bientôt, la peur va vous... Va vous... Vous faire quelque chose. Mais Ah. Oula. Alors ça, c'est pas rassurant. Mais wesh. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va, gros? Ouais. Ouais. Ouais, on fait ça comme ça. Hein. Salut. C'est exactement à ça que je pensais quand on a fait sur le Elementary Land, que j'avais peur des mannequins qui touchent, genre comme dans des... Genre... Nique ta mère là, putain! Ah, je regarde par terre, les gars, hein. comme sur un vrai jeu d'horreur. Hein. Salut! Allez, vas-y, touche-moi les pieds, là. Patientez un peu ici. Ah! Oh, le bâtard! Et là, tu peux t'imaginer qu'il te poursuit derrière. Ah, mais il poursuit en plus! Mais c'est vrai! Mais c'est excellent! Juste avant, je dis quoi? Vous pouvez imaginer qu'il nous poursuit. Bravo. Là par contre vraiment, là je dis bravo. C'est exactement exactement, je ne sais pas où je suis. Mais y a, ici il y a voilà, mission perdue, intensité peur 3.5 sur 5, alors je sais pas où je vais. Je vais rater des trucs mais je vais le faire. Voilà, on enchaîne ici sur cette attraction là. Putain, c'est excellent quoi, bien joué les gars. Bien joué, ça me plaît ça. Ça me plaît, mais par contre les screamers mon pote, enfin j'étais pas prêt quoi hein. Moi ça m'a fait un peu peur hein, quand même hein. Oh non mais... Salut! Les cris Smithcom là, on connaît. Ah.
Yo. J'adore les bruits d'ambiance. Vas-y, avance. Ils ont vraiment mis des bandes son de... d'une vraie file d'attente ? Wow, c'est beau. C'est beau en vrai. C'est fini. La colère d'Anubis. Là par contre ça a l'air d'être un truc un peu plus gros. Bienvenue à la colère d'Anubis. Vous allez dans quelques instants prendre part à cette expérience. Vous serez téléporté par groupe de 4 personnes. Durant la séance, suivez le guide et ses instructions. Et un dernier conseil, n'oubliez pas de regarder derrière vous. Alors un coup faut pas regarder derrière soi. Un coup faut regarder derrière. Ah ! L'égyptologue qui entassait là ses découvertes a provoqué l'irréparable. La colère d'Anubis. Un champignon microscopique mortel qui circule dans ces couloirs. Gardez votre masque ou bien. Voici juste quelques conseils de sécurité. Si un être se tient devant vous, arrêtez-vous. Si un être se tient derrière vous, accélérez. Et surtout. Ne perdez pas de temps, ni votre lampe. N'en utilisez pas d'autres, c'est interdit. Ça les excite. Ils les arrachent. Et restez groupés. Compris ? Groupés ! Pour votre salut, mesdames, messieurs, soyez très prudents. Ne touchez à rien. Gardez votre lampe allumée et votre masque. Ne respirez pas, l'air est mauvais. Allez ! Ravi de vous avoir connu. En un seul morceau. Allez, on se dépêche. Plus vite que ça. Gardez votre masque et surtout un mètre de distance entre vous. Hein. Ok. Ok. Salut. Ah, tu me fais pas peur. Il m'a même pas fait peur. Mais t'imagines dans la vraie vie, là, il est là, il te touche et tout. Et ah. Et c'est le même qui m'a même pas fait peur en plus. Arrête, ça m'angoisse ça. C'est fini ? Ça a l'air fini. Attends, je m'arrache. Passe peur. Ok. Ah bah voilà. C'est fini. Ok. Bah en vrai, celle qui m'a fait le plus peur, je sais pas, je dirais, c'est peut-être, je sais plus si c'est la première ou pas, mais c'était sympa quand même. Ok. Ça c'est fait, c'est bon. Alors j'ai peut-être raté quelque chose. Accès obligatoire, rue de Paris. Ah non, c'est le tonnerre de Zeus, ça n'a rien à voir. Mais ok, sympa. Franchement, super stylé. Les deux parcs qu'on a vus, c'est une bonne découverte aussi, du coup, Astérix, puisque du coup, j'y suis encore jamais allé. Super sympa comment ça a été réalisé également. Donc voilà, n'hésitez pas à passer sur les serveurs, même si du coup, à ce moment-là, il n'y aura plus les events Halloween. Mais n'hésitez pas à passer sur les serveurs. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. J'espère globalement que toute la semaine Halloween vous aura plu avec les jeux d'horreur, etc. J'espère que j'aurai réussi, par contre, pour le coup, puisque là, comme dit, je parle à l'avance. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Putain, je viens de capter que c'est un cimetière juste ici.
Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et la semaine prochaine pour des vidéos de nouveau normales. Et puis voilà, tranquillement, pilement. C'était Mkolo, je vous fais des bisous. Ciao tout le monde. Putain, je fais comme BXNO. C'est genre quand elle s'étire à la fin de la vidéo, elle fait comme ça, hop. C'est marrant. Trop mignon. Allez, ciao. Alors attendez, c'est beau. Putain, genre, hey, cette musique, j'ai envie de faire l'amour, quoi. Le mec trop bizarre. Attends, c'est quoi ça? Oh, c'est mignon. Non, par contre, j'ai vraiment envie de faire un câlin à ma copine, voilà. Enfin, peut-être pas là dans cet environnement, mais waouh. Wow.